Bonjour et bienvenue dans le tutoriel WordPress spécial FeedBurner. Vous allez voir dans ce tutoriel comment ajouter un flux RSS en provenance de FeedBurner dans votre blog WordPress. Donc la première chose à faire est de se rendre sur FeedBurner. Donc vous cherchez sur Google FeedBurner, vous vous connectez ici à votre compte Google et vous accédez à l'espace FeedBurner. Donc vous ajoutez votre flux RSS dans FeedBurner. Donc vous le rentrez ici. Donc vous tapez une adresse, par exemple pour un de mes blogs, je tape ça. Une fois que je l'ai, donc vous vous dites je suis un podcasteur si vous êtes un podcasteur, sinon non, et vous cliquez next. Voilà, donc on vous dit bienvenue. Ajoutez votre flux maintenant. Donc donnez à votre un titre à votre flux. Donc moi je vais taper conseil tutoriel création site internet ou alors directement le nom de mon blog, donc WeBlog. Juste WeBlog et vous entrez l'adresse du flux, la nouvelle adresse, donc vous tapez ça par exemple. Voilà, une fois que vous avez donné le nom et l'adresse de votre nouveau flux, vous cliquez Next. On vous dit que c'est déjà pris, donc si c'est déjà pris, il faut choisir autre chose. Donc moi je vais mettre WeBlog France. Et là, je vais rajouter WeBlog France. Et je fais Next. Voilà, donc maintenant on dit félicitations. Votre flux FeedBurner est maintenant actif. Il est ici. Et si vous cliquez ici, hop, vous vous retrouvez dans une nouvelle fenêtre. Vous voyez? Donc là, vous avez tous les flux courants de votre blog WordPress. Voilà, ensuite vous cliquez Next, donc vous passez à l'étape 2. Donc à l'étape 2, vous pouvez sélectionner d'autres options ici. Combien de personnes cliquent sur les items sur votre site, donc pour le savoir, vous cochez ça, si vous voulez avoir des statistiques. Ensuite, le nombre de téléchargements pour les podcasts, si vous faites du podcast. Et si vous en voulez plus de statistiques avec FeedBurner, vous cochez ça. Donc vous aurez une vue des items individuels et des grosses indications, popularité de chaque item individuellement, et le nombre de personnes qui ont vu ou cliqué sur le contenu dans votre flux. Donc ensuite vous cliquez Next. Maintenant on vous dit Your feed is ready for the world. Now what? Vous avez mis à jour avec succès le flux de WeBlog France. Donc ensuite vous pouvez l'intégrer, il faut que vous avez fait ça. Donc si vous bloguez sur Blogger, vous l'intégrez à Blogger ou à Typepad ou à votre blog WordPress hébergé ou sur WordPress.com ou alors MySpace. Donc en fonction, vous suivez les instructions. Donc vu qu'on parle de WordPress en hébergement abrité, donc vous utilisez ce plugin. Donc cliquez ici, use this plugin, et là c'est là qu'on parle du plugin FeedBurner FeedSmith plugin. Donc pour créer votre flux FeedBurner sur un blog WordPress hébergé, donc vous téléchargez le plugin à partir de cette URL, download the plugin, vous cliquez ici. Et hop, ouverture de FeedBurner FeedSmith plugin. Donc vous enregistrez le fichier. OK. Hop, le plugin est téléchargé. Donc FeedBurner FeedSmith plugin 2.3.zip.
vous dézippez l'archive et vous l'envoyez sur votre hébergement, donc dans votre blog WordPress Content Plugins. Donc là, vous acceptez WinZip. Hop, et là, vous faites glisser, vous voyez, le plugin, le contenu du dossier du plugin, donc FeedBurner FeedSmith Plugin 2.3. Vous le cliquez, glissez, vous le dézippez ici, dans votre blog WordPress Content Plugins. Ici. Voilà, donc ensuite, il faut que vous alliez dans votre administration WordPress, vous activez votre plugin dans les extensions. Voilà, donc une fois que c'est activé, vous aurez des réglages ici. Réglages FeedBurner. Et là, réglez votre flux FeedBurner. Donc là, vous entrez votre adresse de flux RSS. Donc, moi je le récupère ici. Donc c'est celui-là, pour mon blogbook. Donc, hop, et là, récupérez en cliquant ici, éditer les détails de votre flux. Vous récupérez ici le flux. Et vous le copiez-collez ici. Slash workbook. Voilà. Et ensuite, optionnel, si vous avez également un flux de commentaires dans votre blog WordPress, vous pouvez utiliser FeedBurner. Mais c'est optionnel. Donc, vous créez un flux FeedBurner pour les commentaires en cliquant ici. Et ensuite, vous entrez son adresse ici. Ça redirige pas bien. Donc à partir d'ici, vous créez votre flux pour les commentaires si vous en avez un. Donc vous l'ajoutez à FeedBurner. Donc vous reprenez la même technique que tout à l'heure. Mes flux. Et vous refaites pareil, mais vous ajoutez le flux des commentaires. Donc vous rentrez ici l'adresse du flux des commentaires et vous recevez la procédure que nous avons vue précédemment. Et ensuite, vous copiez, collez l'adresse et vous la rentrez ici. Et une fois que vous avez fini tous les réglages, vous cliquez sur Save pour enregistrer les réglages. Et votre flux est maintenant paramétré. Donc on va le vérifier en allant sur le front office du blog WordPress. Et si on regarde le flux RSS, donc dans les blogs WordPress, le flux RSS est accessible par votre adresse URL slash feed. Vous faites entrer et normalement vous devrez avoir le flux relié par FeedBurner. Vous voyez ? feeds.feedburner.com/workbook. Donc là vous avez bien le flux en provenance de FeedBurner, donc ce qui permet de vous faire des réglages complémentaires pour le flux RSS. Voilà, et bien cette vidéo sur FeedBurner et le réglage du plugin FeedBurner FeedSmith plugin pour WordPress est maintenant terminée. Merci de m'avoir suivi et à bientôt pour un nouveau tutoriel. Au revoir.